Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui pour une toute nouvelle voiture avec un tout nouveau partenariat. Merci à Valmar Automobile, distributeur officiel Seat, Skoda et Cupra pour ce prêt de véhicule. Je parle bien sûr de la dernière née chez Cupra, la première 100% électrique, la Cupra Born. Allez casser leur Instagram, le site est dans la description, donc n'hésitez pas et c'est parti pour cet essai. Allez. Les amis, on se retrouve pour parler du design extérieur de cette voiture. Donc dans un premier temps, on est sur un modèle avec la couleur blanc Nevada. Je la trouve super sympa avec des rappels cuivre un peu partout, vous allez le voir. Évidemment, on est sur un design assez épuré et aérodynamique pour avoir un taux de pénétration dans l'air le plus faible possible comme c'est une voiture électrique. On commence directement par l'avant. Donc comme je vous parlais des rappels cuivrés, on a évidemment ces rappels à l'avant avec l'énorme logo, à la fois logo et marqué en dessous Cupra. C'est super joli. Au niveau des phares, on est sur des phares full LED qui éclairent super bien. Mais ça, maintenant, on a l'habitude. Si on se décale sur le côté, deux séries, ce sont des jantes 18 pouces, mais sur ce modèle, on a les jantes 19 pouces Cooper, qui sont couleur cuivre également, super belles. Elles sont taillées également pour l'aérodynamisme, c'est super joli. Ce que j'aime beaucoup sur ce modèle, c'est la jupe latérale qu'ils ont mis sur le côté. Regardez ça, ça rajoute pas mal d'agressivité. Sur les côtés de ces voitures, on trouve également ces motifs sculptés qui rajoutent pas mal d'agressivité. Je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Et à l'arrière, on retrouve un énorme bandeau lumineux, full LED, super joli, une signature propre à Cupra. On a l'énorme logo, encore une nouvelle fois, avec les rappels cuivre et le Cupra en gros. Désolé, on a déjà un petit peu roulé et en hiver, c'est un peu dur de garder la voiture propre. Donc il y a un petit peu de tâches, mais bon, globalement, vous voyez un peu l'aspect de la voiture. Et enfin, on retrouve un diffuseur inspiré de la compétition directement, ainsi qu'un pare-choc sculpté qui est encore fait une nouvelle fois pour l'aérodynamisme et pour l'agressivité de cette voiture, car c'est vraiment ce que Cupra a voulu faire. Et je vais vous parler un peu de cette sportivité à l'intérieur en termes de performance. Les amis, une fois à l'intérieur, on se retrouve directement plongé dans l'ADN Cupra, un style agressif mais épuré. On retrouve ce magnifique volant avec le logo cuivre au centre. Ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les touches tactiles sur le volant et ça, c'est quand même appréciable. Au centre, on a ce magnifique écran 12 pouces qui permet évidemment d'accéder à toutes les fonctionnalités du véhicule, Apple CarPlay, enfin tout un tas de choses que vous connaissez de nos jours. On a des rappels cuivrés un petit peu partout dans l'habitacle. Ça, c'est assez sympa également. On a énormément de rangements. Et ça, c'est assez rare de nos jours, donc ça, c'est vraiment cool. Là, vraiment, au milieu, il y a pas mal de rangements. On peut charger le téléphone en induction. Et Cupra a mis un point d'honneur à l'écologie. Au-delà du fait que cette voiture est 100% électrique, il y a des matériaux recyclés un petit peu partout, que ce soit sur les sièges. Ce sont des sièges en plastique marin recyclé. Et cette matière que vous voyez là, je ne la connaissais pas juste avant, qu'il y a ici et sur les portes, c'est de la suédine végétale. Voilà, donc c'est des matériaux qui sont faits pour mettre un accent sur l'écologie, qui est quand même un axe majeur de nos jours. Mon ressenti, c'est que je suis très bien installé, la position de conduite est très agréable, les sièges le sont également. Maintenant, on va aller faire l'essai routier. Ok les amis, ça y est, nous voilà à bord de cette Cupra Born. On va directement parler des performances de ce véhicule. Au niveau de ce moteur là, c'est un moteur de 204 chevaux qui offre des performances de 7 secondes 3 au 0 à 100, 2 secondes 9 les 0 à 50, donc c'est vraiment pas mal, il y a quand même un petit peu de sportivité, et 310 Nm de couple. Sur cette voiture, on a deux modes de conduite, un mode D et un mode B, qui permettent l'un d'être en mode normal, automatique, électrique, comme une voiture normale. Et le mode B, il permet que dès qu'on lâche la pédale d'accélérateur, il y a une décélération. Regardez, je vais me mettre, vous allez le voir. Hop, je sais pas si vous vous rendez compte à la vidéo, là ça décélère, ça évite d'user les plaquettes de frein et surtout ça fait de la régénération d'énergie, ce qui permet d'améliorer l'autonomie. Ça me permet de vous parler également de l'autonomie de cette voiture. Donc elle est annoncée jusqu'à 417 km d'autonomie. C'est un petit peu le point faible de cette voiture, mais bon, ils sont en train de sortir un nouveau modèle avec beaucoup plus d'autonomie et d'ailleurs un petit peu plus de chevaux. Au niveau de la recharge, cette Cupra permet une recharge de 0 à 80% en 35 minutes sur une borne 120 kW, donc les charges rapides. On peut charger une charge complète en 6h15 sur une prise 11 kW que vous pouvez installer chez vous avec un abonnement mensuel. Ou si vous voulez la charger sur une prise domestique, il faudra compter par contre 36 heures pour une recharge complète. Bon, je vous ai parlé des deux modes de conduite qu'on peut retrouver maintenant sur quasiment toutes les électriques, mais à part ça, il y a également quatre autres modes de conduite. Un mode range qui permet d'améliorer l'autonomie et d'avoir encore plus de récupération d'énergie. Regardez, on a un ID3 ici, filmé par le jeune Hugo.
C'est la concurrente directe, vous l'aurez compris. D'ailleurs, elle se ressemble beaucoup en termes d'esthétique. Donc, je vous parlais donc du mode range qui permet donc d'avoir plus d'autonomie. Il y a un mode confort, c'est ce qu'on est actuellement. Un mode individuel si vous voulez configurer tous les paramètres. Et on va mettre le petit mode performance. Attention, vous n'êtes pas prêts. Hein. Bon, ça offre quand même des performances assez sympas. C'est largement suffisant pour s'amuser. C'est sûr que c'est pas une super sportive ou une électrique vraiment très sportive. Mais justement, Cupra, comme je vous ai dit, va sortir un modèle avec une motorisation un petit peu plus élevée. Mais en vrai, ça marche pas mal. Hein. Bon là, évidemment, l'autonomie, elle descend beaucoup plus vite avec ce mode-là. Mais c'est pas mal du tout. Il y a assez pour s'amuser. On va se faire un petit départ arrêté après, les amis. Je vais trouver un endroit assez sympa. Hop, on va martyriser un peu le Ronin. Ah, j'ai oublié d'en parler juste avant, mais la vitesse max est bridée électroniquement à 160 km/h sur ce véhicule. Alors c'est largement suffisant pour pouvoir doubler, que ce soit sur autoroute et tout, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand il faut pas le dire, mais quand on aime faire un peu de vitesse. Les amis, on vous dit juste avant qu'on avait croisé une ID.3 blanche qui ressemblait énormément, que vous avez pu voir peut-être en petit extrait de la GoPro. Et regardez, on est avec les deux voitures, on a croisé les propriétaires, merci à eux de nous prêter pendant un petit moment. Donc regardez, on voit qu'elles peuvent se ressembler énormément, juste la Cupra est quand même beaucoup plus agréable. On le voit notamment avec les appendices dont je vous ai parlé tout à l'heure. En tout cas, c'est super marrant de voir les deux en plus de la même couleur. Les deux concurrents directs. D'ailleurs, j'ai également fait une vidéo avec l'ID3. Je vous mets la fiche juste ici. N'hésitez pas à aller me dire dans les commentaires si vous êtes plus ID3 ou la Cupra borne. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil. On a eu cette occasion. Je l'ai prise. On va retourner faire l'essai de la borne. Bon les amis, on a une jeune voie d'insertion aberrante devant nous, on va en profiter pour faire un départ arrêté. On va juste attendre d'être sûr de pouvoir s'insérer tranquillement en sécurité. Allez, c'est parti. Le 0 à 50 est quand même assez impressionnant. En vrai, le 0 à 100 est pas mal du tout non plus. Bon là, j'ai dû freiner parce qu'il y avait un radar. Bon, c'est pas non plus un truc de dingue. Hein. C'est vrai qu'après, si on compare à une e-tron GT ou des voitures beaucoup plus sportives avec l'électrique dont le couple arrive instantanément, c'est quand même pas dans les mêmes sphères, mais quand même, c'est vraiment amusant et plaisant. Évidemment, donc sur ce modèle, on a quand même pas mal d'aide à la conduite, vous en doutez bien. De série, on a le régulateur adaptatif ACC. On a également le rear assist, ce qui permet d'avoir une prévention de ce qui se passe, le trafic derrière la voiture. Et on a également le light assist, donc qui permet juste une adaptation des phares en fonction de si on croise une voiture, si on est en forêt, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. En tout cas, tout est fait pour le confort de pilotage. Cupra a également mis un e-sound sur cette voiture qui permet à l'intérieur d'avoir un son de roulage, permet donc de sortir de cet univers électrique, mais également à l'extérieur de prévenir les piétons en cas d'arrivée. De toute façon, c'est obligatoire de nos jours. Tout à l'heure, je vous parlais de toutes les aides à la conduite, qu'il y avait deux séries sur cette voiture, mais il y a également tout un panel de ces aides disponibles en option, comme notamment le pré-crash assist qui permet de fermer les fenêtres et serrer les ceintures en cas de crash. Également l'exit warning qui permet de prévenir les piétons si vous sortez de la voiture et qu'ils sont dans l'angle mort. Il y a également la technologie car 2X et plein d'aides à la conduite encore, pourrait en citer toute l'après-midi. Je vous parlais également tout à l'heure de la place qu'il y avait avec tous les rangements. C'est vrai que ça, c'est un des gros points forts de cette Cupra. Je vous ai pas parlé du coffre, mais le coffre fait 365 litres, ce qui est quand même assez imposant pour une voiture de cette taille-là. Vous pouvez largement partir en vacances avec, à condition de prévoir où est-ce que vous allez recharger vos batteries. Il y a de la place à l'arrière également. Je crois que tu peux en attester, Hugo. Complètement, on est très bien installé. Très bien installé. En plus, toi, t'es grand. Un point fort de cette Cupra, le confort, que ce soit à l'avant, à l'arrière ou dans le coffre. Si vous avez envie de voyager dans le coffre, vous pouvez vous mettre. D'ailleurs, en parlant de prévoir vos bornes de recharge, il y a directement intégré dans la navigation de la voiture, vous pouvez chercher directement où recharger sur votre trajet. Donc ça, c'est quand même assez appréciable, surtout que de nos jours, bon, ça se démocratise pas mal, mais c'est vrai qu'il n'y a pas des bornes partout, il y a quand même des zones mortes en France. Donc ça, c'est également un plus de ce véhicule qui vous propose donc de voir où est-ce que vous pouvez recharger. Au niveau des ressentis de conduite, franchement, je suis agréablement surpris, elle est quand même assez sportive. Le fait que les batteries soient entre les deux essieux, ça permet d'avoir un centre de gravité qui est super bas et donc elle passe super bien dans les courbes. En plus de ça, on a quand même pas mal de couple et un peu de chevaux sous le capot. C'est quand même assez sympa. Franchement, je me suis pas mal amusé avec. La direction est souple, elle est précise, donc rien à dire. Si on parle un petit peu du prix de cette voiture, donc cette voiture coûte aux alentours de 40 000 €. Ce modèle, c'est un petit peu plus de 41 000. Alors, il y a peu d'options. Hein. Les options font vite gonfler la facture. On a notamment des peintures à 610 €. Les jantes sont entre 1000 et 1370 €. Alors, celles-là, ce sont des jantes en option. Donc, évidemment, à ce prix, vous devez déduire le bonus de 6 000 € offert par l'État pour la transition écologique. Donc ça, c'est quand même un aspect financier assez important à prendre en compte. Globalement, ça fait un prix assez conséquent. Après, vous allez vous y retrouver sur la durée. Évidemment, les recharges de batterie sont quand même beaucoup moins coûteuses que des pleins d'essence. Donc ça, c'est quand même un point positif.
Les amis, ça y est, cette vidéo est terminée. Je suis maintenant chez Valmar Automobile à Fresnes, donc dans leur concession. On est avec un autre modèle de la Cupra Born que vous pouvez voir avec différentes options. Merci à eux pour le prêt de ce véhicule. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter pour me dire ce qu'on avait pensé et surtout à vous abonner. Le bouton est juste ici et je vous retrouve bientôt pour de prochains essais.